Des souvenirs douloureux. Ce samedi 14 janvier, Sophie Davant était invitée dans l'émission de France 2, Quelle époque. L'occasion pour la journaliste de 59 ans de revenir sur les moments forts de sa carrière, mais aussi sur un drame qui a marqué sa vie, le décès de sa maman lorsqu'elle avait seulement 20 ans. Car, oui, si sa maman n'avait pas disparu aussitôt, l'animatrice de télévision n'aurait pas eu la même carrière. Moi, j'étais dans une famille de professeurs avec des grands-parents directeurs d'école. Je pense que j'étais destinée à être professeur, moi-même, à suivre cette lignée, a-t-elle confié à Léa Salamé, avant de préciser, et puis quand vous vivez ce drame, ça engendre une explosion du noyau familial. Traumatisée par ce décès prématuré, Sophie Davant a donc décidé de vivre doublement. Je pense que j'ai eu à cœur de vivre toutes les vies qu'elle n'a pas vécues, a-t-elle poursuivi, nostalgique. Et d'ajouter, donc de vivre doublement et d'aller au bout de mes envies. Partir à Paris, c'est un truc qui ne me serait jamais venu à l'idée. Finalement, la jolie blonde avait décidé de laisser derrière elle la région bordelaise pour rejoindre la capitale. Résultat, elle avait lancé sa carrière de journaliste grâce à un stage à la rédaction d'Antenne 2. Supérieure à supérieure à photo, elle évolution physique de Sophie Davant. Sophie Davant affectée par les critiques, je suis un être humain. Au cours de l'émission, Sophie Davant est revenue sur un autre sujet qui la peine beaucoup, les critiques de certains téléspectateurs qui n'apprécient pas son travail dans l'émission Affaires conclues, diffusée quotidiennement sur France 2. Ce sont des critiques insupportables. Ça me fait de la peine. Je suis un être humain sensible, a-t-elle confié, avant de conclure, je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas les critiques injustes. Les aléas de la notoriété. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 2.